Bonjour à tous, Cole de Strop, une nouvelle vidéo sur les jeux les plus bizarres de Roblox, partie, je crois, 5. Là, nous sommes sur le sanctuaire de Pickle Rick, une religion que je fais partie personnellement. Puis, à la base, c'était pas de poser d'être ça le premier jeu de la vidéo, c'était de poser d'être battre des personnes sans abri dans un 7-Eleven. Mais le jeu a été, je pense, banni, fait que nous allons nous contenter de vous montrer ma religion pour le premier jeu. Ben ici, nous avons notre Dieu je vais dire en chair et en os, mais il n'y a comme pas d'os, mais les dalles, c'est un os, me semble. Vous pouvez me traiter de cave, c'est pas ça. Là, je sais pas si vous êtes capable d'entendre la bonne tune de Papyrus puis Sense, là, mais écoutez-la, s'il vous plaît. Oh yeah. Elle est bonne, la tune, là. Ok, ouais. Je pense qu'on l'entend en tout cas. Là, on a des morphs de Rick et Morty, mais je suis sûr qu'ils marchent même pas. Check ça. Là, c'est ça aussi, je me disais. Ah! Comment ça? Ok. Hey, j'ai été tout nu pendant un moment. C'était bizarre ça. Puis, hey, wow, quel bon mélange. J'ai les cheveux de Rick, puis j'ai les cheveux de Morty en même temps. Ici. Oh! Oh my god, il y a Pickle Rick. On va voir que ça fait. Ok, il y a des effets, il y a des sound effects. Ah, ça me fait un maudit saut là. Tabarnache. Tombe bien force. Oh yeah. On clique sur tout, fuck off. Tabarnache. Farmless. J'ai fait le saut. Plein de cornichons, c'est ça qu'il y a l'attraction, mais moi je connais pas de l'attraction, c'est le problème. C'est Carlos qui fait ses petits moves. Oh! Attends, c'est qui sur la chaise? C'est Pikachu! Et Fat Pikachu, je pense en plus. Yes, ça lui-même. Ça, c'est quoi qu'il y a là-bas? Ok, c'est ça, c'est un plat de spaghetti. Ils sont tous différents, les plats de spaghetti. T'as lui qui est comme ça. Lui, t'as lui qui est tout croche, puis t'as lui qui est tout plat. Personnellement, ça serait lui, je mangerais. Des pizza rolls. Ça, c'est quoi ça? Je vous l'avais dit, hein. J'ai la religion de Pickle Rick, puis je vous ai pas dit que j'ai la religion du Pastafaris, je suis désolé. Les Cheetos! Ça en pas dans ce cas, tes Cheetos. Bon, passons au prochain jeu, nous avons fini sur ce jeu-là, fait que passons au prochain jeu. Bon, là, on est sur un jeu qui s'appelle Essayer de tuer Caillou. Je l'avais déjà tué dans une précédente vidéo, je sais pas si vous en rappelez. Mais, en tout cas. On va essayer de le tuer, là. Je vais lui mettre une nuke sa maison. Wow. Es-tu mort, Caillou? The fuck, il est pas mort. Avec sa tête d'enfant, hein? Ben, avec sa tête d'enfant. Quelle insulte que je viens de dire. Sa tête de couille, peut-être, là. Ah ouais. TNT. Ouais, non, 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 je l'ai laissé sur moi, fuck! Non, non, j'ai une crevée. Y a pas grand-chose, hein. Caillou, j'arrive pour toi, là. On va pogner les guns, on va voir si ça le tue. Fais attention, Caillou, j'ai une AK-47. Puis, elle est pas bien mis. Tabarnak! C'était fort, ça! Hey, laisse faire, c'est quoi ces bruits de guns-là? En tout cas, il n'y avait pas grand-chose à ce jeu-là, fait qu'allons au troisième jeu. Au jeu qu'on va jouer. Oh, what the fuck, non. Non, 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 non. Ça fait peur, ça fait extrêmement peur, j'ai coupé mon son. C'est quoi? C'est pas Caillou, là! Hey, c'est marqué A fun game to play with friend, man, dans la description. Ouh, c'est comment tu veux que ça soit le fun? C'est Caillou, man, c'est pas Caillou. C'est genre, regarder Caillou faire pousser ses cheveux. Non, j'ai trop peur. Là, on est rendu à un jeu de mort alpha, ok? Philippe à la rescousse. J'imagine Philippe, c'est un personnage de Thomas le Train. Qu'est-ce que je vois? Est-ce que s'il y a des fans de Thomas le Train dans les commentaires, dites-le là. Ah ouais. J'ai pas trop compris, c'est juste un train, puis. Ah ouais, ah ouais. Ok, faut juste. Attends, quoi? Non! Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Ok, c'était ça. Je pense qu'il y a. Attends, y a-t-il un autre train en dessous? S'il y a d'autres rails. Allons voir ça. Oui, c'est un autre train. Le 68.
Dommage, pas 69. Il a la tête carrée, lui. Man, t'as essayé de copier de Steve, toi. T'as un peu le regarder. Et, oh, wow, quel beau visage vous avez, monsieur. Bon, passons au prochain jeu. Bon, là, on est dans un jeu très mature. Venez vibrer dans le caca de Peter Griffin. Déjà, hey, ça doit faire mal, man. Ça marche, c'est du bois, littéralement. Y a-t-il quelque chose au moins? Oh, y a quelque chose. Oh. Hey, c'est clair, man. Hey, t'imagines-tu? Tu vois pas le gros cul de Peter? Tu vois juste ça? Tu penses t'es mort. Tu penses t'es rendu dans les escaliers du paradis, là. Ok, y a un tacos. Y a un hamburger. Oh shit, y a une pizza. Clique sur un Robloxian pour défier un concours de hot dog. Ah, ok, un Robloxian, c'est un autre joueur, ouais. Et je suis coincé dans la table. Aide-moi, Peter! Attends, je vais voir si je suis capable de me sortir. Ah, j'ai réussi à me sortir. Avec le tacos. Ok, hey, tout est clair, y a quoi? Télé, y a rien. C'est un lecteur VHS, ça? Ça ferait du sens parce qu'il y a Halloween 4 hein, avec. Tabarnache! C'est donc bien clair son affaire, man, ça me pète les yeux. La télé, y a-tu quelque chose au moins? Non? Attends. Oh, y a un bouton pour l'allumer. Hey, wow! Il aurait pu mettre un clip de Family Guy au moins. En tout cas, à date, c'est un bon vibe. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. En tout cas, j'aimerais ça. Ok, il y a un rituel satanique avec Peter. Hein, ok, il est tellement lumineux en fait, Peter. Attends. Tabarnache. Il y a une étoile, je sais pas trop, sataniste, là. Puis il y a Peter, direct en milieu. Peter. Il faut dire trois fois Peter, là. En tout cas, ce jeu-là était vraiment. Je trouve que c'était une bonne vibe, je trouve. Je viens de dire, genre, quatre fois je trouve en une phrase. J'ai bien aimé rentrer dans le caca de Peter Griffin. Malgré que ça fait pas de sens que. Attends, Peter, il y a un mini Peter dans lui. À un moment donné, il y en avait un autre. Il y avait un mini Peter, je sais pas si vous vous en rappelez. Mais il est comme mort. En tout cas. Prochain jeu. On reste avec les jeux. Mathieu, nous avons Peter Griffin Alumen. Bon, Peter Griffin avec une tête de Mario Bros, ça commence bien en ciboire. Oh, wow, un beau fond. Fait. Ok. Comment dire? Je pense savoir pourquoi ils l'ont appelé comme ça finalement. Tu sais, je me disais, ah, ça va juste, genre, ils ont mis Halo pour rien. Puis là, je pense que c'est juste. Ouais, ok, j'ai. Je pense que je suis mieux de pas rester sur ce jeu-là en fait. Attends, j'ai un minigun au moins. Non, marche-tu au moins? Ok, il y a deux tours. Ouais, non, même pas. C'est quoi ce. Peter Griffin fighting for you is duty. C'est quoi ce. Quoi, c'est un tycoon, il y a tout dans ce jeu-là en fait. Ah, je. Oh non, c'est de mauvais goût, man. Ça me fait rire pareil. Ah, oh, what the fuck? Ah, prochain jeu là avec le monde me cancel. Voici sur chercher les tug shakers ou je sais pas trop là. Si vous savez pas c'est quoi tug shaker, ben c'est quelque chose 18 ans et plus, mettons. Je sais pas comment l'expliquer. J'ai déjà joué à ce jeu là, ok? Juste pour vous dire, mais c'est un jeu que je voulais vous montrer depuis un petit bout, puis là c'est le moment rêvé pour vous montrer ce magnifique jeu. Attends, on va sortir là, il n'y a pas juste cette école. Ah! Ok, il y a déjà du monde, fuck. Il y a le gars avec le couteau, c'est le gars le plus dangereux ça. Faut faire attention. Non, 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 fuck you, dégage! Il y a plein de thugs là. Faites attention. On va aller dans la maison. Non! J'ai un gun, j'ai un gun, tiens! Ok, je vais pogner ma lampe torche. Ah oui. Talking Ben. 50 Cent aussi du jeu vidéo. Ok, oui. Non! Fuck! Non! Ah non, il y a le gars avec un couteau. Mais là, on est foutu. Ouais. Tug Hunter Reaction. Let's go! Oh non. Oh non!
Ok, Fio, j'ai eu peur. Parce que j'en ai vu des vidéos comme ça, pis tu t'en reviens jamais. T'en reviens jamais comme t'étais après. Tu deviens soit addict, soit tu ne vis plus. Non, y a un gars en arrière. Non, ok. Ouais. Ok, moi je suis un bonhomme là. Laissez-moi me sortir. Ah non, fuck, 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 non! Le gars avec le couteau. Il court tellement vite. Il y a aussi un Slenderman à quelque part. Mais je sais plus, il est où. Est-ce qu'on peut voir le gros Tug, s'il vous plaît? Nice! Il est drette là, il est drette là. Avant, il y avait. C'était juste un homme normal. Il est swap avec l'épée, lui. C'est juste ça que je me rappelle. Attends, on va le tuer avec l'épée. Je vous reviens. Ah, c'est vrai, les cadavres, t'as de soucis. Caméraman, j'ai jamais vu, hein. Je pense qu'il a été rajouté il y a pas longtemps. En tout cas, bon, je l'ai pas trouvé, mais attends, on va aller un peu explorer avant. Bon, déjà, il y a le gars avec le couteau dans ma maison. Hein? Quartier général des chasseurs de voyous. Jimmy Bull! Non! Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Jimmy Bull, c'est un boss, le truc. Tabarnache! Jimmy Bull! Non! Il est là. Est-ce qu'on peut le tuer? Désolé, Jimmy Bull. J'ai pas eu le choix. Oh non, 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 non! Il est en armée pour moi! Mutated Tug! Quoi, j'ai. Hey, ils t'ont rajouté des affaires, man, sur ce jeu-là. Oh non, c'est vrai, on peut pas sauter. Il y avait Bob l'éponge, j'ai de l'argent là-dessus. Waouh! Ils ont fait une mise à jour. En tout cas, je finis la vidéo sur ça. Ça aurait un magnifique jeu que probablement beaucoup de monde va aller voir. C'est un chef-d'œuvre, personnellement, ce jeu-là. C'est le meilleur à date, je pense, dans toute la gang. Ben, tu sais, dans les jours, on a eu un jeu. On a eu un jeu, tu rentrais dans le cul de Peter. T'avais un autre jeu. T'avais Peter qui faisait des trucs pas super. En tout cas, t'avais d'autres jeux, pas pire aussi. Le pire jeu, ça serait sûrement. Le caillou. Le caillou m'a juste fait le saut, sans joke. Que je me suis quasiment pissé dessus. Non, non, mais il faisait peur, le caillou. Parce que si vous avez aimé cette vidéo ou si vous voulez voir plus de vidéos. Sur les jeux les plus bizarres de Roblox, vous pouvez commenter pour d'autres vidéos là-dessus. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner, liker, partager.